Léna Rioux et Yvan Pro, pourquoi cette envie de vous engager dans ce Conseil régional des jeunes, tout d'abord, Léna? Ben, je pense que c'est quelque chose qui est important dans le sens où déjà on a le pouvoir de le faire, alors qu'à 16 ans, ben, en soi, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas vraiment agir. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est qu'on puisse le faire, donc il faut. Et bien, c'est ça aussi, cette. Oui, je trouve que c'est important de montrer également aux autres jeunes qu'en étant jeune, on peut agir et faire des choses pour améliorer notre quotidien au sein des lycées. Alors, comment ça se passe? Comment vous êtes élue? Alors, en fait. Dans tous les lycées, on peut être élire deux représentants, voilà. C'est ça? Effectivement, ouais. Alors vous, ça s'est passé, et qui vote? Tous les lycéens votent? Moi, dans mon lycée, ça s'est pas passé comme ça. En fait, on a eu une réunion avec tous les délégués en fait du lycée, et c'est les délégués qui ont élu donc deux personnes. Mais on n'a pas besoin d'être délégué pour être conseiller régional. C'est seulement dans mon lycée où ça s'est passé comme ça. Et on se présente, on fait une campagne? Et ben en fait, pas du tout, dans le sens où le CRG n'est pas énormément connu, du coup... Vous n'êtes pas si nombreux que ça, en fait, à vous présenter, peut-être? Non, en fait, nous, c'est vrai qu'on n'était que deux, parce qu'on ne savait absolument pas... Donc le vote a été plutôt rapide. Ouais. Yvan? Oui, nous aussi, on n'était que deux. Que deux aussi. Par contre, le vote a été fait sur l'ensemble du lycée, quand même. D'accord. Il y a eu beaucoup d'abstention ou de participation? Non, il y a pas mal de participation, ouais. Même, parce que c'est à cette occasion qu'on récupère les cartes de lycéens aussi. Donc... C'est ça, faut être malin quand on organise quelque chose. Alors, le Conseil régional des jeunes se réunit au moins deux fois par an en assemblée plénière, vous me dites si je me trompe. Et cinq commissions ont lieu chaque année pour faire des propositions, c'est ça. Hein. Quels sont les sujets abordés durant ces réunions? Par exemple, pendant ces commissions, Léna? Durant ces commissions, on est cinq commissions différentes, donc c'est... Enfin... Vous parlez de quoi, en fait, quand vous vous rassemblez comme ça, le Conseil régional des jeunes? C'est quoi les thématiques? En fait, on a des projets qu'on fait, qu'on essaie de mener sur notre mandat de deux ans, du coup. Ouais. Et donc, chaque commission a normalement un projet propre. Et donc, on en discute au début, ensuite on travaille à la réalisation plus pratique, puis la mise en place concrète... du projet. Alors, quels sont vos projets? Moi, je suis en commission diversité culturelle, donc c'est axé quand même sur toute la culture de la Bretagne, tout ça. Et en fait, à la base, nous, on n'avait pas de thème particulier, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti à zéro. Et donc, à force d'échanges, d'échanges, on est parti donc sur le thème de la tolérance. Donc, en Bretagne, on a eu beaucoup d'intervenants. Et donc on a fini par choisir en fait de faire justement une chanson complètement décalée sur la tolérance. D'accord. Alors, il y a des sujets comme ça qui vous tiennent particulièrement à cœur, j'imagine. Yvan, si vous vous êtes aussi engagé là-dedans, c'est quoi les sujets régionaux que vous avez envie de défendre? Moi, je suis dans la commission de développement durable. Ouais. Donc là, on a décidé de planter des arbres dans les lycées. Donc ce qui a notamment été fait dans plus d'une cinquantaine de lycées, je crois, à l'échelle régionale. En dehors de ces rendez-vous annuels, quel est votre rôle d'élu au quotidien? Est-ce que vous échangez avec les lycéens? Est-ce qu'il y a des sortes de doléances que vous pouvez faire remonter au niveau de la région? C'est un peu difficile juste dans le lycée, parce que c'est vrai que ça doit toucher un peu tous les jeunes. Et finalement, deux dans tout un lycée, on est vraiment peu et c'est peu connu, donc on en parle. Vous n'avez pas peu... de petite permanence? Non, pourquoi pas, après tout. Et quel lien vous avez avec le vrai conseil régional? On va l'appeler vrai. Parce que déjà, c'est le président du conseil régional qui dirige vos sessions plénières, c'est ça? C'est la vice-présidente. La vice-présidente, d'accord. Donc il y a quand même un lien. Le ministre de la Défense qui viendra vous voir. Et alors, il y a des liens comme ça, la question de Jules. Il y a la vice-présidente qui est aussi coprésidente du Conseil régional des jeunes. Après, les adultes, je crois qu'ils discutent justement des projets que nous, on peut faire remonter. Ils vous piquent des idées. Ouais. Vous avez un budget? Comment que ça se passe? Le budget, oui, on en a un, mais après, c'est vrai que je crois qu'on a cinq commissions différentes, donc le budget, je pense qu'il est réparti en fonction des projets, mais après c'est vrai que l'argent on n'en parle pas spécialement parce que c'est pas vraiment notre c'est pas ce qu'on... Vous sentez encore trop jeune pour avoir la partie budget. Est-ce que vous avez suivi la campagne électorale des élections régionales justement dernièrement? Oui, forcément, oui. Parce que nos parents, je sais que les miens ils votent, donc... Est-ce qu'en tant qu'élu jeune, vous avez un regard un petit peu plus aiguisé que vos camarades de lycée, par exemple?
Bah, moi, personnellement, le CRG, en fait, quand je me suis engagée là-dedans, c'était absolument pas politique du tout. C'est vrai que je me trouve vraiment très jeune, en fait, par rapport à la politique. Quand j'en parle, je m'y connais pas, quoi. Donc, j'y touche, mais de loin, quoi. Ouais, moi, j'aime bien suivre un petit peu, mais voilà. Juste suivi les élections après. D'accord. Et il n'y a pas dans donc 83 duos hein, de lycéens qui font partie de ce conseil régional des jeunes. Est-ce qu'il y a des fois, vous sentez qu'il y a des étiquettes politiques qui peuvent un peu se décider ou alors c'est vraiment apolitisé, comme vous le disiez, Léna? Moi, après, j'ai pas cette impression-là. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de parti. Il n'y a pas d'étiquette, quoi. Vraiment pas du tout. Et vous n'êtes pas forcément... Est-ce que vous serez tentée par une carrière politique éventuellement plus tard? Ça peut créer des vocations, Léna? Bah, pourquoi pas, mais là du tout... Futur président de région, on s'en fout pas de cacher, Léna. On la garde. Je vote. Oui. Je sais pas. Non, moi non plus, je sais pas du tout. Ouais. Bon, à suivre. Alors, vous viendrez nous en reparler. On va citer, parce qu'il y a une chaos.info, de www.chaos.info, c'est une... C'est un site web, c'est toi qui regroupe un peu tout ce que vous faites, voilà. Hein, c'est ça. En fait, c'est une commission aussi qui fait des vidéos de nous, ce qu'on fait, sur la communication du CRJ, pour faire connaître le CRJ. Ouais, c'est ça. Vous êtes allé jusqu'à quand, là? Fin de l'année scolaire. Pendant deux ans. Ouais. Voilà, c'est ça. Jusqu'en mai, je crois que c'est ça. 2016. Bah, bravo à vous, puis continuez à faire bouger les choses avec...